Bonjour, bonjour la reine Dania. Bonjour. Je demande le discernement sur vous, je demande la grâce divine. Demande que vous receviez des instructions pendant que je vais parler. Vous pouvez regarder ceci après votre boulot tout à l'heure. Vous savez, j'ai toujours ce sens de où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais. C'est ça qui me maintient, check. Friendship Yao, c'est ton mois d'anniversaire. C'est aussi mon mois d'anniversaire. Merci Martin. Vivi, tu vas appeler après le direct. Donc, je veux déjà vous préciser de ne plus ne communiquer plus sur le numéro 655. Donc, 655 31 07 50. Je n'ai pas accès à ce numéro pour l'instant. Donc, je préfère que vous ne fassiez pas de communication. Et si vous avez envoyé votre argent à Yaoundé, contactez Douala. Donc, pour l'instant, les communications de Yaoundé se font à Douala. Donc, faites vos envois ou quoi que ce soit à Douala, je précise bien. Si vous envoyez votre argent ailleurs que dans un compte qui porte mon nom, ne me contactez pas. Bonjour, petit oiseau. Salut. Tu vas bien? Je demande la présence de la Vierge Marie. Je demande la présence du Saint-Esprit, des chérubins. Nous sommes dans le 10e mois. Ce qui vous attend ce mois est encore plus beau. On me dit de vous dire que c'est comme des fleurs, c'est comme dans un printemps. Et c'est la croyance que vous mettez maintenant. Comme je parle et tu crois. Mon local de Yaoundé fonctionne. Je vous ai dit le numéro. Donc vous envoyez les paiements envoyés à mon nom, à Douala. La preuve, je serai à Yaoundé lundi. Ce que je fais ne dème pas, ma chérie. Parce que je ne fais pas seule. Tu as compris? Mais je reçois parfois des personnes qui pensent que ce sont elles qui m'ont appelé. Alors que moi-même, je ne me suis pas appelé. Tu dis que tu es en Côte d'Ivoire, tu appelles, personne ne prend. Appelez principalement au Cameroun, je vous ai déjà dit. Et aussi, vous avez trop de paresse. Tu vois 5 numéros sur une page. Tu appelles. Le numéro de ton pays, on ne décroche pas. Ça ne te coûte rien d'aller enregistrer le deuxième numéro que tu appelles. Donc, je laisse ça sur vous. Vous avez suivi. Bon, rentrons dans la beauté de ce mois. Ce que vous avez vu jusqu'à présent, vous n'étiez que dans la phase. Tu vois, quand tu veux. Tu vois, quand tu veux te laver, tu prends l'éponge, tu te frottes, tu enlèves d'abord la saleté sur toi.
Vous êtes dans la phase de décrassage. On n'a pas encore mis l'eau de cologne sur toi. On n'a pas encore mis le parfum. On n'a pas encore mis ta belle robe. On n'a pas encore mis ta belle couronne. On n'a pas encore fait ton make-up. Vous n'avez même pas encore commencé. Et dans cette phase, beaucoup de personnes vont quitter à côté de vous. Vous suivez? Beaucoup vont partir. Les personnes qui venaient vers vous pour sucer votre énergie. Les personnes qui venaient vers vous parce qu'elles croyaient qu'elles allaient vous exploiter. Les personnes qui venaient vers vous parce qu'elles... Et vous allez voir le vrai visage des gens. J'aime beaucoup dire non aux gens. Quand je te dis non, je vois. Parfois, les gens qui viennent. Je veux la consultation, je veux la consultation. La personne ne veut pas savoir si moi-même qui suis censée consulter là, est-ce que je suis en forme? Je peux avoir des problèmes de santé. Non, tu veux seulement. Non, tu ne m'as pas consulté. Je dis, s'il te plaît. Si tu es venu avec ta malchance, ça ne peut pas enlever mon sourire. Porte ta malchance dans tes 33 800. Tu pars avec. Vous suivez, non? Porte ta malchance avec 33 800. Tu portes ça, tu pars avec. Je ne peux pas alors parler des benguistes qui n'ont pas l'argent. Tu as économisé 50 euros pendant 2 mois. Tu envoies. Et tu ne connais pas que c'est un privilège de me parler. Ce n'est pas tout le monde. Mon énergie ne peut parler avec tout le monde. Ne voyez pas parce qu'elle me met sur Facebook ici, là, elle parle comme ça. Oh. Il y a des gens qui arrivent, ils ne payent rien, ils me parlent. Parce que leur énergie est comme la fleur. Donc ce mois d'octobre, je le mets sous le signe des fleurs. Votre premier devoir aujourd'hui, allez acheter un beau bouquet de fleurs, vous plantez chez vous. Vous mettez sur votre bureau. Vous suivez. Parce que vous avez la cape qui pesait sur vous, l'a quittée. Écoutez, je vous donne votre message d'octobre. Tous les alourdissements. Oh, les choses qu'on te mettait dans la nuit. Tu mangeais les choses dans le rêve. Oh, ceci. Tout ça est passé. Ne passe pas la fin. Non, que la journée ne finisse pas sans que tu n'achètes la fleur. Tu déposes dans ta maison ou à l'extérieur de ta maison. Parce que tu es arrivé dans ta phase de fleurissement. Je suis dans ton éclosion. Je parle comme ça, vous pouvez sentir ça en vous. Certains parmi vous, ça fait 6 mois que tu payes ta dîme tous les mois fidèlement. Tu payes. Il fallait que Dieu entre dans tes fondations pour... Écoutez, le processus spirituel, ce n'est pas la blague. Pas la blague. Il fallait qu'on puisse enlever ce que ton premier gars t'avait fait. Je crois que j'avais 22 ans là. Comme il était venu, il est venu là, pris ta chance. Il avait un sperme noirâtre comme ça là. Je vous dis moi. Je ne parle pas mes choses au hasard. Je ne dis, n'ouvre pas ma bouche pour rien. Son sperme noirâtre là qui est resté, c'est calé quelque part ici là dans tes trompes. Il fallait que le Seigneur parle d'abord enlever ça. Oui, c'est ça qui te bloquait depuis. C'est ça qui bloquait ton bonheur depuis. Premier mois, tu payes une couche quitte. Deuxième mois, tu fais ton lavage, une autre couche quitte. Troisième mois, tu fais. Depuis 2 ans, tu n'avais pas chargé un conteneur. Voilà qu'en 2 mois que tu as repris le boulot, tu es en train de charger ton conteneur. Parce qu'on t'avait mis à terre. Les gens qui t'avaient enterré, ils avaient dit que l'homme s'il ne va plus jamais se relever. J'ai un de mes fils comme ça. Je vous dis l'histoire de quelqu'un qui m'a contacté une fois. En l'espace de 2 mois et demi,
Il dit que rien ne donnait. Quand il est tombé sur mes vidéos, une nuit, il dit que non, je prie. Je suis quelqu'un que je prie. Il dit que laissez. La prière n'est pas suffisante. Je viens vous donner la foi. Et aussi ma puissance qui met sur ça. Parce que mes paroles là sont chargées de ma puissance. Anaïs, si tu n'as pas l'argent pour acheter la fleur, pas dans ton quartier. Balade-toi dans ton quartier. Tu vois la fleur de quelqu'un, tu demandes, tu toques à la porte, tu dis, il peut prendre votre fleur. La personne m'a dit, oui, tu coupes, tu pars avec. Ya. 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 Maman. Nawoti. Il tombe sur mes vidéos. De 20h à 4h, il a regardé mes vidéos. Il me dit, il m'appelle à 10h, 11h. Il était à DHL à la caisse, il m'appelle. Maman, je suis dépassée, je suis tôt. Donc, il est 10h. On m'a déjà appelé pour 2 entretiens d'embauche. Alors que ça fait 6 mois. Depuis 6 mois que j'ai déposé mes demandes, on ne m'appelle pas. J'ai écouté tes vidéos de 20h à 4h. Le temps que sa foi se développe. À 4h, je me lave avec le pipi. Anaïs, si tu es foiré, je vais te bloquer. Tu as compris? Tu écris encore un message foiré, je te bloque moi. Moi, je t'ai dit moi. Go singo. Quoi, non, non. Why you? Je ne veux même pas que les gens foirés communiquent avec moi. Je ne veux même pas lire vos messages. Ça peut mettre le foirage sur moi. Je ne veux pas. Il dit qu'il se lave à 4h. 8h et 9h, il a 2 appels. Monsieur, venez pour l'entretien d'embauche. Bien évidemment, on l'a embauché. Bien évidemment, on l'a embauché. Et lui dit que tu dois payer la consultation, tu dois payer le lavage. Il dit, je n'ai pas l'argent. Il dit, d'accord. Je fais pas le service gratuit. Va regarder mes vidéos. Il m'appelle 4 semaines plus tard. Il me dit, maman, en 4 semaines, j'ai eu le boulot. 2 semaines plus tard, il y a eu un autre boulot mieux payé. Je suis quitté de l'ancien boulot, je suis parti dans le nouveau. J'ai cherché la maison. Première maison que j'ai visitée. Ils n'ont même pas demandé à avoir le contrat de travail. Parce qu'en Europe, quand on te donne la maison, il veut s'assurer que tu travailles. Première maison qu'il a visitée et qu'il voulait, on lui a donné. Numéro 3, il était en train de finaliser son divorce. Il arrive au tribunal. Il croyait qu'on allait demander de payer dans les 2000 euros. On dit 900 euros par mois. Il fait donc 6 semaines après son premier lavage. Il me dit. Il m'appelle, il dit, tu vois, sa voix, il crânait un peu déjà. Maintenant, j'ai l'argent. Je vais payer tes produits. J'ai payé la consultation. J'ai ri. Ce n'est pas toi, voilà, tu crânes maintenant. Quoi, la première, comment il a fait les produits? Il a acheté les produits de 350 000, un truc comme ça. Il dit que prochain objectif, je dois charger au conteneur. Il m'appelle l'autre jour, il me dit que je suis en train de mettre le conteneur dans l'eau dans 2 jours. Je dis, c'est bien ça. En 2 mois, écoutez. En 2 mois, vous pensez que vous avez quel problème? Vos problèmes sont petits. Quand il parle souvent de cela, il dit que ceux qui vont croire vont voir. Ceux qui vont croire vont voir. Vous allez voir la manifestation. Vous, le moi, c'est là. Premièrement, tous tes décepticons là vont sortir comme les zombies de la chanson de Michael Jackson là. Ils vont sortir comme ça là. Tous tes zombies vont sortir d'abord. Quand ils vont sortir, ne te dérange pas. Je vous dis toujours mes choses comme ça là. Je vous prépare d'abord. Ils vont sortir, faire tintadun. Tintadun.
Zambie. Quand ils sont aux là, tu les crases comme on écrase l'insecte. Bien. Parce que le plus pire, c'est quand tu as les zombies qui dérangent ta vie et tu ne connais même pas qui ils sont. Tu ne sais pas où ils sont. Tu ne sais pas ce qu'ils te font. Son fond. Oui. Bonjour Josiane. Tu restes avant ça là. Comme ça. On te pique ici là, tu dis que ça sort d'où? On te pique ici là, tu dis ah! On te pique ici là, tu dis ah! Mais quand ils vont sortir, ne vous dérangez pas. Oh, zombie! Oh oui, elle m'avait dit que tu venais. I knew you were coming. I knew. Oh. Tu prends un petit truc là. Tu vois là, le truc avec lequel on tue les moustiques là. Tu vois non? Ah, the wasp killer. Ils sont ça, tu fais. Tap! Voilà. Quand Jésus a dit, je vous donne le pouvoir to trample upon serpents and scorpions. Le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions. Priez pour que vos serpents sortent. Ma part, il dit que le mois de septembre qui est passé, c'est là. Wow, 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 wow. C'est quoi? Il dit que les serpents, oh. Je reste, je fais. Dès que je suis en train de dire, ah, c'était un serpent. Oh, maman, comment on peut avoir les serpents dans la maison sinon? Ah non, tous sont encore là-bas! Ah! Ouais, c'est bien, je croyais que tu avais nettoyé la maison sinon. Pardon, non, 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 c'est quoi? C'était un serpent, oui. Ouais! Ouais, ça non. Ouais, non. Ouais, non. Vous allez identifier. Vous allez identifier vos décepticons. Tu sais que je sais que tu es décepticon. Oui. Je sais maintenant. Oui. Je sais. On n'a pas peur des décepticons. Vos affaires que. Ah, j'ai peur qu'il me. J'ai peur que. Hein? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Si la personne sort, hein, ne rentre pas dans les. Oh, tu me dois l'argent. Oh. Il réclame n'importe quoi. Ah, ok. D'accord, je te dois 10 millions. D'accord, je te paie en 3 fois. T'inquiète pas. Enlève ton esprit, de ton esprit la personne. Et au lieu de rembourser en 3 mois, si tu peux même dans 1 mois ou 1 semaine, porte, tu envoies son argent. Il y en a qui vont venir. Certains, vous êtes dans le lit avec eux chaque jour, vous dormez. Et ces personnes veulent vous détruire. Certains sont dans votre maison. Vous savez que quand moi, je parle mes choses, on me prend du pour une folle. Vivi la douce, je mets le vernis quand ça me pique. Je suis pas dit, mets le vernis l'autre jour. Le soir, même, j'ai enlevé encore. J'avais enlevé un côté. C'est pas mal les trucs de beauté là, ça me pique pas effet. Tu comprends ma mère? Il n'y a pas encore vu quelqu'un qu'on a vu le vernis sur sa main, on lui a donné l'argent. Ah ah, kaba, ça donne l'argent. Ça me pique effet, ça me pique effet. Ça comprends? Ouais.
faites de votre mieux pour sortir de toute association, même si la personne te doit. Dis-toi que si j'avais perdu l'argent là, si on m'avait braqué dans le taxi, on a pris l'argent là, et que j'allais mourir. Non. Laisse. Parce qu'ils sont après votre énergie. Ils veulent votre énergie. Ils veulent votre énergie. Bonjour Germaine. Bonjour Sheila. Bonjour Seou. L'autre m'est arrivé comme ça récemment avec une de mes filles. Elle m'a dit, ma reine, dis que tu es une reine. Ma reine. Quand la personne n'a pas encore bien compris, on ne peut pas me mettre à terre. Je suis comme l'air. Je ne peux même pas donner mon secret à quelqu'un parce qu'il ne peut pas te dire que c'est ça qui m'a fait. Je suis ce que je suis. Maintenant, vous en aurez qui vont vous approcher parce qu'ils ont vu ce que vous êtes et vous-même, vous n'avez pas encore vu. Ça les attire comme les abeilles. Faites attention parce que ces personnes ont des venins. Vous partez dealer une histoire d'argent, la personne va chercher à t'insulter. La personne va chercher à te toucher. Si c'est ton argent, je t'ai laissé la maison, non. Je t'ai laissé la voiture, non. C'est quoi? Pourquoi tu dois encore aller dehors pour seulement poum poum? C'est quoi? Vous comprenez que ce n'est même pas. C'est un problème spirituel. ...80% des gens qui sont autour de vous. Sont tellement jalouses de votre onction. N'est-ce pas là à côté de toi, chaque jour, les gens t'appellent, on te donne l'argent. Un téléphone avec toi, tu reçois 5 paiements. Tu fais la vidéo devant la personne, tu postes, tu as 100 000 vues. Je crois que ça lui plaît. Hein? Je crois que ça lui plaît. Hein? Quand tu as épousé son frère, elle se rapproche de toi. Hey, ma BS. BS chérie. Elle veut voir comment tu fais ce que tu fais. Elle veut voir. Elle va aller en secret te copier. Elle va aller te salir. Elle va chercher à te copier. Ils ont l'agenda sur vous, hein. Stéphanie, tu n'as besoin de personne pour te soutenir parce que quand tu vas te lever demain, ce sont eux qui vont dire, c'est moi qui ai tout fait pour elle. Il y a une chanson qui dit, Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Au Cameroun, tu n'as pas besoin d'argent pour te faire l'argent. Hein? Tu n'as pas besoin de diplôme pour te faire l'argent au Cameroun. Hein? Josiane, ne viens pas m'éloigner de mon sujet. Hein. Je voulais savoir par rapport à ton voyage. Prends une consultation. Vous va venir distraire. Je vous dis, parce que le mois d'octobre aussi, ce sera le Helele. C'est comme si je suis dans un champ où on tisse seulement. Piou, 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 piou. Mais c'est partout. Et le succès qui est en train de venir à vous, hein, il voit même dans votre peau. Depuis que tu laves avec le sel là, tu ne vois pas ta peau. Tu
Tu vois, moi, tu brilles. Hein? Touche un peu tes joues, touche. Comme ça là. C'est pas même de quoi. Le sel à penser que tu utilises là, ça nettoie tes chakras. Là où tu es là, tu réponds. Quand tu arrives quelque part, tu es connecté. Quand tu arrives quelque part là, tu captes toutes les ondes de la place. Mince. Tes tantes qui te faisaient le sissi avant. On va voir comment elle va faire. On va voir. Tu passes au milieu des gens là comme ça, là, tu n'as plus peur de ces personnes-là. Tu n'as plus peur d'elles. Les gens qui te dominaient avant. Tu te mets devant la personne. Oui, tonton, c'est moi qui ai dit. Ouais. Donc, chaque premier du mois, c'est une opportunité pour appuyer le bouton de reset, tu vois, quand tu recommences tout à zéro. Donc aujourd'hui là, nouveau départ. Mais tu as toute la force de tes combats passés avec toi. Les déceptions, les abandons, les renvois de on t'a renvoyé du boulot, toutes ces choses-là. Tu t'as rendu forte, tu es là comme ça. Comme ça. Qui te peut? Vous devez comprendre que dans ce dixième mois, vous êtes dans votre saison de récolte pour certains. Donc, ils m'ont demandé de vous enseigner ce qu'on appelle semence, le temps et la récolte. Seed time and harvest. Seed time harvest. Semence, temps, récolte. Je rappelle que déjà, je suis à Yaoundé lundi. Je vais faire peut-être 2 jours à Yaoundé. Lundi, mardi. On va faire le lavage du 4 là-bas. Pour ceux qui ont les règles aujourd'hui. Donc, pour Douala, on va faire le lavage à Douala ici tout à l'heure. Le lavage est à 15 000 pour ceux qui vont venir à Douala. Ceux qui vont faire à distance, vous allez envoyer 20 000 francs. Photo et puis nom, prénom. Vous avez traversé votre période de semence. La semence demande du travail physique. Si vous ne connaissez pas dans quelle saison vous êtes, pendant la récolte, vous allez partir vous coucher dormir. Ou bien vous allez laisser tomber, vous allez partir. Vous avez semé, vous avez lavé le lavage au pipi. Il y en a ici parmi vous que vous êtes déjà, vous sentez même le pipi déjà. Bonjour la reine Christelle. Donc, vous avez beaucoup semé. Quand tu sèmes, pendant que tu sèmes, ça prend de l'énergie. Ça prend de la parole. La patience. Après la semence, il y a le temps pour que la chose que tu as semée grandisse. Le lavage, ça doit là derrière le lycée de Makepe. Donc le numéro c'est le 680 soit 11 0701. Vous appelez, on va vous indiquer.
Donc derrière le lycée de Makepe, il y a une piscine qu'on appelle Pacha Center. Donc après cette piscine-là, si tu tournes à gauche, c'est-à-dire derrière la piscine, il y a une menuiserie. Donc la villa est en face de la menuiserie. Vous allez voir ma photo sur le portail. Donc arrivez à 11h au plus tard, s'il vous plaît. J'ai réduit le prix comme ça pour qu'on ne me donne pas les excuses. Donc, pendant la période où tu attends, que tu as déjà semé, quand tu es en train d'attendre, même l'attente est active. Tu peux attendre pendant 6 ans. Pendant les 6 ans, chaque jour, tu te lèves, tu te laves avec le sel. Tu pries. Tu fais tes neuvaines. Il dit que pendant 6 ans, les gens se disent que non, pendant que j'attends que Dieu agisse, je dois dormir, je ne fais rien. Quoi? Tu travailles. Enfin, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Après, tu arrives dans la saison de récolte. Le numéro, c'est le 00237. Pour ceux qui sont à l'étranger, 680 71 0701. Yaoundé, je suis à Yaoundé lundi et mardi. Donc, vous devez refaire vos plans et vos projets. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà accompli. Vous savez que quand vous venez pour faire le lavage chez moi, je vous prends pas ce manger. Tu leur dis ce que tu veux, tu attends quoi de la vie? What do you want? Est-ce que vous savez que vous êtes dans la vie comme les chèvres seulement? Tu pars où je pars travailler. Tu pars où je pars. Je pars donner un job à mon gars. Tu pars où je pars. C'est tout à part là-bas. Tu es là comme un zombie. Comme ça là. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a que depuis même en mars, quand vous venez chez moi, je vous disais, écrivez ce que vous désirez. Yaoundé, ce sera lundi. Et ce sera du côté de Titi Garage. Stéphanie, arrête de justifier de montrer aux gens que tu es plus pauvre que tout le monde ici. Tu as été plus pauvre que qui? Tu veux que les gens sur la vidéo, si tu te parlent pas leur période de pauvreté? Hein? Des tapioca qu'on a mangé? Les canapés des gens sur lesquels on a dormi? Hein? Tu peux demander le sol pour dormir chez ton petit frère. Avant que tu payes sa chambre. Aujourd'hui, tu pars, tu demandes un peu d'espace dans sa chambre pour dormir. Parce que tu as terre. Tu es plus pauvre que qui? Il dit que si on fait la réunion des femmes qui ont traversé la pauvreté, ma chérie. T'as pas là, tu n'es même pas dans, tu es même dans le direct, ça veut dire que tu as la connexion. Il y a des gens que quand ça les prend, ils ont le téléphone de 5 000, que ça fait que. Tu n'as même pas l'Android. Tu es plus pauvre que qui? Laissez-moi vos bêtises là. Ici pauvre, ici pauvre. Tu es pauvre que qui? Faut qu'on te dise comment tu as mangé 500 avec l'enfant pendant 2 jours. Tu as 5 euros, tu es avec ton enfant comme ça là. Vous avez 2 jours avant ou 3 jours avant que l'argent vienne. Et parfois, tu ne connais même pas là où l'argent va venir. Tu réfléchis, je pars, j'achète à Lidl. Je pars acheter les pâtes avec un peu de sauce tomate qui est déjà faite, oui. Ou bien je pars, tu calcules dans ta tête. Ok, si on achète la sardine, on met un poisson seulement. Comme dans la sardine, il y a 3 morceaux de poisson. Ok, aujourd'hui, on va utiliser le morceau aussi. On se met, c'est pour moi pour avoir l'odeur et l'huile. Tu mets. Vous voulez parler de pauvreté de quoi? Maintenant, comme tout le monde sait, c'est là qu'on a tous eu le diplôme de pauvreté qu'on a accroché, on a accroché dans notre. Tu es en train de passer ta part de test. Donc, passe ta part calmement. Tu as compris, non? Oh, you are. Voilà.
veux que Nougué pour venir. Je t'attends. Go, Piapo. Tu as compris, ma chérie. Même si tu viens à 13h, je vais te voir. Donc, je vous dis ceci. Il y a la période de semence. Il y a le temps avant de voir la récolte. Et le temps là, même pendant le temps d'attente, parfois tu ne sais même pas, peut-être que ce que j'ai planté là, même peut-être que ça n'a même pas donné. Peut-être que la terre là n'était pas bien mise. Tu n'es pas sûr. Il y a des Bafoussam, vous n'aimez pas payer, ne me dérangez pas Bafoussam, ne me parlez même pas Bafoussam. Tu viens là-bas, quand il te voit, il dit qu'elle a 2000 francs. Ça paye mon avion pour Bafoussam. Donc, pendant que tu attends, voici ce qui se passe dans ta période d'attente. Tu raffines ton oreille spirituelle. Avant que tu te référais à ce que ton oncle dit, tu attendais l'approbation de ton père, de tes cousins. Tu attendais que ta copine te dise ce qu'elle en pense. Tu apprends à écouter ton intuition. Te voilà que tu dis que tu es en Doumbé ou tu es où là-haut. L'esprit te dit que lève-toi, tu pars, dois la rencontrer la femme là. Tu te lèves, tu pars. Tu apprends à écouter ton esprit. Pendant la période d'attente, tu apprends aussi à te discipliner. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas disciplinés. On dit, lave-toi avec le pipi, lave-toi avec le sel chaque jour. Alors moi, je me lave souvent, souvent, de temps en temps. Souvent, non. Ma chérie, si on te donne le niveau là que tu as demandé aujourd'hui, ça sera violent, hein. Tu risques de mourir. Tu risques de mourir. Donc tu apprends à te discipliner. Que si il dit qu'il veut me lever à 5 heures, je me lève à 5 heures. Si il dit que je vais faire telle chose, je vais faire. Si il dit qu'il va aller à tel endroit, je vais partir. Pendant la période d'attente active aussi, tu apprends, pour moi, ça c'était la clé dans ma vie. J'ai appris à manipuler l'argent. Je me lève le matin comme ça là. J'appelle 20 euros. Une heure plus tard. Après, je le sois, il me dit, mais si j'ai commandé 20 euros, pourquoi n'avez-vous pas dit une fois 500 euros? Demain, je te lève. J'appelle 500 euros. Tu appelles 500 euros même pendant 3-4 jours, une semaine, un mois. Après un mois, quand tu as bien calibré ta vibration, tu te lèves un matin comme ça là. J'appelle les 500 euros dont j'ai besoin. Je dis ça à 8 heures. 12 heures, 500 euros est dans ton compte. Le lendemain, je te lève. J'appelle 500 euros. 12 heures, 500 euros dans ton compte. Tu dis, Tu as passé le module 3. Vous êtes à l'école. Tu as passé le troisième module. Pendant le temps d'attente, tu apprends à être concentré sur ta mission. Sinon, tu vas te lever, quand tu auras l'argent, tu vas aller te marier, tu vas oublier, tu vas te poursuivre, tu vas aller aux Bahamas avec un gars, tu vas aller à Las Vegas. Pendant le temps d'attente, tu apprends à faire ce qu'on te dit de faire. Tu dors à 5 ans, on te dit que lève-toi, tu pars faire tes choses à tel endroit. Le matin, tu dis seulement à tout le monde que bon, je sais qu'on avait prévu de partir là-bas. Moi, dans la nuit, on m'a dit de partir comme ça. Donc, je venais seulement vous informer, je suis parti. Soit tu écris seulement dans le groupe plus tard que je sais que vous m'attendiez là-bas. Mais dans la nuit, j'ai reçu la direction de partir plutôt de l'autre côté. Donc, je suis allé en route. Je suis même presque arrivé. Et vous dites tout comment mes enseignements, hein? C'est dans 5 ans que vous allez comprendre. En 5 ans.
Tu vas laisser comme ça va tomber sur ta tête comme le caillou. Que tu vas dire, hey, dans ce gars dit là. Ah, c'est une vidéo. Pendant le temps d'attente, tu te familiarises avec les gens qui sont derrière toi. Moi, j'ai atteint un niveau, hein. Même si vous ne me suivez pas, vous suivez. Ah, elle m'énerve, elle m'énerve. Je vais me suivre moi-même. I'm going to follow myself. Je vais mettre ma vidéo, on s'est fait regarder, dire, oh, Justin, that's good, that's good. Justin, oh, Justin, that's good. Vous ne likez pas ma vidéo, je vais finir de faire mon tirage, après je vais liker moi-même. Tu quittes du milieu physique. Tu commences à être plus conscient de l'invisible, plus que le visible. Quelqu'un récite et dit que j'ai pris le 75% de mon salaire, je suis allé acheter la chose avec. Hein? Ce que eux ils disent est plus réel pour moi que ce que vous dites. C'est ce qui se passe pendant l'attente. M'entendez? C'est parti toujours. Donc, je vous ai donné trois saisons. La saison de semence. La saison de temps et la saison de récolte. La clé, tout se passe dans la saison de l'attente. L'attente est déterminée par la persévérance de la personne qui attend. Bonjour, la reine Roland, bonjour. L'attente, ton temps d'attente est déterminé par ta persévérance, par ton désir. À quel point tu veux sortir de ta pauvreté? À quel point tu veux te lever du trou dans lequel tu es? Ton père était dans le même trou, mais ton père, lui, il aimait le trou, hein? Ton père était là, il n'a pas bougé. Y a des choses que tu commences à faire, même parfois tu montes à ta mère dit oui. Quand j'étais jeune, il y avait quelqu'un qui était venu me dire de me laver avec le sel. Est-ce que maman s'était alors lavée? Non. Mais toi, quand tu as saisi, tu as dit, This is for me. Personne ne va prendre ça. La puissance de la détermination que tu as mis. Et aller provoquer le processus de récolte. Le processus de récolte est provoqué par vous-même. La saison où on te voit en ligne, finalement, tu es devenu célébrité.
La saison où on achète tes produits. La saison où tu es saturé de clients jusqu'à tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Tout ça est déterminé par toi. Et à la fin de tout ce processus, tu te rends compte que quand j'ai semé, j'étais le facteur déterminant pour la récolte. Quand j'ai semé, la récolte dépendait de moi. Il y a des personnes que vous avez connues, vous leur avez dit, viens, on bosse ici. Je ne sais pas vous dire le nombre des personnes avec lesquelles j'étais. Viens, on travaille dans l'entreprise. Si je crois en ce que je fais, la personne te dit, ah, viens, on fait ça, je crois, c'est, ça va marcher. Ah. Toi, tu persévères. La période de récolte va demander encore plus d'énergie. Supposons que tu as semé un seau de maïs. Ta récolte va donner au moins 500 seaux de maïs. Deux grains de maïs vont se multiplier. Non? Deux grains que tu mets dans la terre, ça grandit, ça te donne 5, 7 épis de maïs. Si ça tombe, ça passe sur deux tiges. Donc, vous n'aurez pas de repos, que ce soit dans la prière, la vigilance. C'est pour ça que Jésus a dit, même Pierre a dit, priez et veillez sans cesse. Le diable rôde. Il cherche qui il va dévorer. Et il te calcule. On te réveille la nuit, on te dit, hey, je vous salue Marie. Allons-y, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je sens sa présence. Oh là là. Votre récolte est déterminée par vous. Tu n'es pas né pour dormir. Tu n'es pas venu ici en bon voyage pour dormir. Non. Donc tu te lèves. Tu reprends ta vie en main. Je ne sais pas dans quelle saison je suis, mais je sais que quelle que soit la saison, il faut l'action dans cette saison. Si je suis en train de s'aimer, je sème en action. Si je suis en train d'attendre, j'attends en action. Si je suis en train de récolter, je récolte en action. La Vierge Marie est chez vous actuellement. Quand vous m'écoutez, ce n'est pas pour rien qu'elle m'a fait mettre ce voile-là sur ma tête aujourd'hui. Vous voulez mettre mes chapeaux là, que non. Voilà. Donc elle sera bien là pendant le voyage, le lavage aujourd'hui. Donc je vous ai donné les principes. J'ai fait une vidéo sur TikTok ce matin. Je crois qu'on va la poster peut-être demain. Vous devez absolument
Il y a des choses clés que vous devez faire pendant le mois d'octobre. Première chose, si tu saignes, tu ne te fais pas le lavage au sel. Tu ne viens pas pour faire le lavage. Le 5, il y aura notre lavage. Donc, première chose, paye ta dîme. Très important. Tu peux être la femme la plus spirituelle, mais tu es pauvre. Parce que tu n'as pas engagé tes finances sur Dieu. Deuxième chose. Qu'est-ce que tu veux? Écris ce que tu veux. Voilà, on a octobre pleinement, novembre pleinement, décembre. Donc tu as encore 3 fois 3, 90 jours dans cette année. Qu'est-ce que tu veux accomplir clairement? Et ce que vous aimez toujours envoyer, non, je vais faire demain. Quand j'aurai l'inspiration, c'est foutaise. Une fois que tu sais ce que tu veux, pendant les 7 premiers jours, si tu ne saignes pas bien sûr, fais ton lavage au pipi. Quatrième, faites des dons dans les orphelinats. Cinq, la cannelle. Soufflez la cannelle dans les quatre coins de votre maison, à l'entrée de votre maison et de votre business. Commandez la prospérité d'arriver chez vous. Je ne sais pas pourquoi mon chakra de la couronne, là, ça démange tellement. Ça fait que j'ai tout le temps les bénédictions qui arrivent. Ça me poursuit partout. On laisse encore une autre couronne là-bas. En numéro 6, faites le bain de lait et de miel. Pour vous fortifier aussi. Et pour attirer. Ça restaure votre attirance financière. Donc, vous avez prescrit les fleurs à la maison pour ce mois. Voilà. Bon, ceux qui sont... Je sais qu'il y en a qui ne m'avaient jamais contacté. Hein. Mais on se connaît puisqu'on se voit là-bas tous les jours. Donc, ne vous dérangez pas. Le moment viendra, on se verra dans le physique. Mais quand le moment n'est pas encore là. When the time is not right yet, it's not happening, ok? Quand le temps n'est pas encore là, ça ne va pas se passer. Et quand c'est le temps, ça se passe. Vous devez avoir confiance dans le processus de Dieu. Totalement. Bon. La cannelle, c'est comme le jujube. On appelle ça jujube, mais oui, l'écorce de jujube là. On met ça dans les gâteaux. Ce qui est pour toi restera pour toi. Vois même le plus grand marabout, il ne peut pas te donner pour moi. Ah, j'en sens la mauvaise. Bon, je vous remercie. À tout à l'heure pour ceux qui vont venir. Gardez-moi, je vais vous garder. La cannelle n'est pas noire, c'est marron. La cannelle n'est pas noire, c'est marron. Passez une superbe journée et bon mois d'octobre. Priez beaucoup la Vierge Marie ce mois. Demandez-lui d'entrer dans vos affaires. Donc peut-être je vais vous faire la... Quand je vais commencer la vache tout à l'heure, peut-être vous allez voir une petite partie de la vidéo. Peut-être pas. Donc, ceux qui viendront, on va se voir sur place. Ceux qui ont envoyé leur vidéo, leur photo,
Donc, demain ou après-demain, vous pouvez demander les vidéos des gens, on va vous envoyer. Bye. Bon, moi, pas seulement dans les paroles. Je sais que vous allez partir poster les trucs, poster les fleurs. Bon mois d'octobre, poster les fleurs. Bon mois d'octobre. Moi, j'aime l'action, je n'aime pas trop les paroles. Hé, hey, Evelyne, la photo de la cannelle. On vend la cannelle, je vends la cannelle. Tu as compris? Toi, tu peux m'acheter, tu cherches toi-même, toi, tu vas acheter chez moi. Tu as compris, non? Oui ou non? Je ne me donne pas de trop de fil à retordre. Ça, c'est les femmes paresseuses. La photo de la cannelle. Hey. Bye.